Je veux vous entendre sur cette histoire de chandail de hockey où c'est les voltigeurs, hein, c'est bien ça, qui ont un chandail qui dit « Playoffs Gilles Courteau Trophy ». C'est la Ligue de hockey junior maritime Québec. Mais c'est une ligue de hockey au Québec, majoritairement. Est-ce qu'il y a matière à scandale, Marc-André? Bien, je veux dire, c'est sûr que c'est surprenant, là. Surtout, tu sais... C'est pas fort. Gilles Courteau Trophy, là, je veux dire, c'est le trophée Gilles Courteau, là, je me semble que... Parce que playoff, tu sais, quand j'ai vu ça, playoff, c'est quand même un terme qu'on utilise beaucoup. Bien, c'est pas en français, mais qu'on utilise beaucoup dans notre langage, là. Mais là, quand t'es rendu à traduire le trophée Gilles Courteau, là, bien là, t'as un problème. Bien, au Québec, en plus, puis moi, bien, d'une part... Mais c'est un affront, là, parce que le ministre Jolin Barret disait que c'était un affront au peuple québécois. Ben oui, ben, là, oui, bien oui. Moi, je trouve ça inacceptable. Je veux dire, c'est Drummondville, l'équipe de Drummondville, là. On n'est pas, je ne sais pas où, d'une part. Deux, pour l'équipe de Westmont. M. Cecchini, là, quand il est arrivé, un de ses premiers gestes, ça a été de rendre la Ligue junior majeure du Québec, premièrement, d'effacer un peu le Québec pour ajouter les Maritimes. Ça, c'est une autre chose. Puis là, on est rendu... Mais non, voyons, on non, est rendu qu'il faut que les jeunes apprennent à parler en anglais au cas qu'il y ait dans la Ligue nationale. Effacer le Québec. On a tout entendu. Même Sidney Crosby, quand il était dans la Ligue junior majeur du Québec, il parlait français. Donc, voyons donc, là, quel peuple de colonisés. Non, mais attends, faut entendre Gaétan là-dessus. Mais là, Gaétan, faut que tu sois discipliné, là. Alors, est-ce qu'on se calme les nerfs, comme dit Marc-André, ou c'est un affront aux Québécois? Juge Barrette tranché. Grosse gaffe, et les explications qui ont été données sont encore une plus grosse gaffe. C'est ça. Faut qu'ils apprennent à parler anglais pour aller dans la Ligue nationale. Ah. Hey, franchement, il y en a peut-être 5 là-dedans qui vont se rendre dans la Ligue nationale, puis encore... Pas des voltigeurs, de la Ligue au complet. Il est où Marc-André de quoi, là, pour nous, bon, nous, mais là, nous parler mais du français? Un peu ici, là, de dire qu'ils ont rajouté Maritime pour effacer le Québec. Ben, je veux dire, pourquoi ça faisait 60 ans que c'était comme ça? Là, mais on a, il y a 6 équipes de Maritime, là, je veux dire. Mané, faut être conscient du territoire, là. Elsie, je veux dire, il y a 6 équipes des Maritimes. Ben, moi, je trouve pas que c'était nécessaire, première chose. Mais de toute façon, c'est pas ça l'enjeu, là. L'enjeu, c'est toi-même qui as dit qu'il avait effacé le Québec, là. Je veux dire, la Ligue... Je veux dire, Mario Cecchini, il a pas effacé le Québec parce qu'ils ont rajouté Maritimes. De toute façon, les Québécois sont effacés d'équipe Canada. On est pratiquement invisibles dans ce... Non, on est effacés, c'est un affront. Notre sport national. Moi, j'ai été discipliné. Vous m'avez promis d'être discipliné, et là, OK. Bien, ça, c'est un peu de notre faute de mettre ce sujet-là en dernier bloc, qu'on manque de temps. Je vous remercie. Ce fut amusant, palpitant, intéressant.